Rivera et son acolyte nullissime. Vous pensez pouvoir gérer les Speed Boys ? Kenny ? Hey, Daryl. Ça va ? Ouais, c'est l'heure de la leçon de conduite. Je vous attendrai à l'arrivée. Hey yo les mecs, c'est Merti, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, vous avez la patate, les frérots, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Need for Speed Heat, les amis, en compagnie de personne évidemment, puisque je suis solo comme d'habitude, vous le savez bien. Et oui, Merti est fidèle au poste, hein, comme vous le savez. Non les mecs, je déconne, mais très sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce Let's Play numéro 2, avec aujourd'hui une nouvelle course pour la campagne, pour la campagne, petit accent qui fait bien. Pour la campagne, les frérots, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'ai un peu, voilà, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait précédemment, offline évidemment, hors vidéo, puisque vous le savez bien, j'ai joué un petit peu, puisque voilà, c'est un nouveau jeu, il vient de sortir et tout, je voulais le tester aussi offline. Et donc, voilà, j'ai fait quelques améliorations concernant la voiture, j'ai fait pas mal de cash de mon côté avec des courses qui ont rien à voir avec la campagne évidemment, puisque si je faisais des courses qui avaient rapport avec la campagne, ça serait plus un let's play du coup. Donc j'ai vraiment réservé toutes les missions de campagne avec vous, ce qui était vraiment prévu de base, hein, donc voilà. Voilà, j'ai amélioré ma voiture, donc qu'est-ce que j'ai amélioré dessus? J'ai amélioré notamment la conduite de course, enfin la conduite de route plutôt, pour qu'elle accroche un peu mieux sur la route, qu'elle glisse un peu moins justement, et également un tout petit peu la vitesse, mais bon ça se voit pas vraiment puisque, bon ça se voit pas vraiment, je leur mets quand même 400 mètres dans la tronche, mais ça se voit pas tant que ça en fait, puisque je la trouve quand même encore très très lente sur l'accélération. Elle s'est un petit peu améliorée niveau puissance, mais c'est tout. Et comme on peut le constater niveau gameplay, la dernière fois c'était vraiment nul. Aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment pris les choses en main. Need for Speed, c'est, voilà, je connais un peu mieux les commandes et tout. Je m'adapte beaucoup mieux au niveau des courses maintenant, comme vous pouvez le constater. Donc c'est plutôt vraiment cool. Ensuite, deuxièmement, les gars, la dernière fois, j'avais fait une vidéo qui est sortie de Let's Play 1. Je sais pas si vous constatiez, mais il y avait quelques lags, notamment dans les courses, même hors course. Alors ça venait de mon logiciel pour filmer. Alors aujourd'hui, j'espère hein, sincèrement qu'il n'y a plus les lags, puisque normalement, j'ai réglé le problème. Apparemment ça venait d'un problème de débit vidéo. Bon, je l'ai réglé, peu importe, mais en tout cas si c'est pas réglé, dites-le moi dans les commentaires pour que je sache, parce que parfois je peux pas savoir moi-même si... Ouh, ça a clashé dur, hein. C'est pas si vous avez vu les gars, mais... Ouh, ça... Anan a clashé le mec là, Daryl, a clashé Daryl. Donc vous me direz dans les commentaires les gars si ça lag toujours le gameplay, non, en principe non, mais vous me direz quand même on y est presque. Que je puisse savoir, parce que parfois je me rends pas forcément compte comme je vous le dis. Ensuite, la dernière fois j'avais fait une vidéo aussi également de qui faisait à peu près 40 minutes. Bon, c'est en moyenne les vidéos que je vais faire, mais malheureusement, aujourd'hui je pense que je ferai une vidéo un petit peu plus courte, puisqu'il s'avère que je suis un petit peu malade, un petit peu. J'ai un gros rhume en fait, et du coup, tout simplement, j'ai mal à la gorge, et parler pendant 40 minutes s'avère difficile aujourd'hui pour ma part. Donc, on verra si, enfin, on verra en temps et en heure ce que je fais avec vous, si on cut un petit peu plus tôt. Bref, aujourd'hui, on va faire quelques missions de campagne pour avancer le plus rapidement possible, puisque j'ai amélioré pas mal ma voiture, et on va pouvoir... jouer, pouvoir faire les missions un peu plus rapidement. C'est pas gagné pour ta caisse. Ce serait pas ta... Merde. Non. Réveille les autres. Qu'est-ce qui se passe? On a du boulot. Oh, merde. Toi, n'approche pas du véhicule. Tes papiers, allez. Rivera. C'est ton véhicule? Oui. Un problème, monsieur l'agent? Ça dépend. On a reçu plusieurs plaintes au sujet d'activités illégales concernant un véhicule qui ressemble à celui-ci. Ah! Droit devant! En clair, si je veux, je l'embarque. Vous venez d'où, là? On était juste on voulait... On était juste. Toi, papier! Jusqu'au cou. Joli nom. T'as une voiture? Oui, monsieur. Monsieur l'agent! Où elle est? Elle est là. Joli. J'ai peut-être pas embarqué la bonne. Chaud, t'es déjà en route?
Ouais, j'arrive. Clés. Les clés? Les clés. Tu la veux? T'as 10 jours. Après, on la broie. Enfin, 10 jours. Peut-être moins. Bonne route. Non. Ramène-moi. Pour les mecs. Ça déconne pas, hein. Ça déconne pas. Et là, les flics... Oh putain, comment il s'est foutu de sa gueule, le show, là. Oh putain, c'était excellent. Ça va, toi? J'ai kiffé la scène. Tu comprennes. Mais franchement, c'est vachement bien fait, les gars. Pouvoir, là, sous mes pieds. Ça fait penser vraiment à une aventure... Clairement de mais Alex Hunter un peu sur FIFA, c'est les scènes sont sortez vachement bien mises en scène justement. Le donc, pouvoir est à eux. C'est la première fois que sur Need for Speed ils font un truc pareil, hein, je trouve. C'est ça qui me plaît vraiment dans le mode campagne, c'est vraiment ils ont vraiment mis en avant justement cette aventure. Ça c'est cool. Je te rappelle, merci pour la balade. Non, par contre mais Anna c'est un truc de ouf, elle se laisse faire comme ça. Elle. Oh, j'aurais fait une course poursuite direct. Ok, fin de nuit, ça c'est fait. Nice les frérots, ok. Alors que le problème des courses clandestines semblait en passe d'être résolu, un groupe de voitures a semé la pagaille la nuit dernière dans les rues de la ville et causé pour plusieurs milliers de dollars de dégradation. On craint maintenant de nouveaux incidents. Cela montre bien que mon unité spéciale est plus que jamais nécessaire. Maintenant, encore plus qu'avant. Ces actes sont impardonnables. Et je vous promets solennellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se reproduise plus jamais. Tu sais, ça ressemble au genre de truc qu'on fait quand... On veut se faire remarquer. Non, c'était rien. Ça te manque pas? Non. Tiens, tu peux me passer ça. Anna dit que t'étais bon. Assez pour la ligue. Pourquoi t'es parti? Ah, je sais qu'elle comprend pas. Et moi, c'est pas sûr. Mais il y a des conséquences. Plus grave que de perdre son crew. Tu sais, après cette nuit, moi je suis épaté qu'elle soit pas là à se vanter. Ouais, la fatigue, je pense. Hein? C'est libre. J'ai peut-être un truc pour toi. C'est quelqu'un que je connais plutôt bien. Et il veut te voir à l'œuvre. Il a le bras long. Tu devrais y penser, ça peut valoir le coup. Cool, je vais voir ça, merci. Pas de soucis. J'en étais où? Ok, terminé. Ça va, on s'est fait 3025 de réputation et 13 760 $ de cash, les amis. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que... Je vais vous montrer un peu ce que j'ai amélioré sur ma voiture, justement. Puisque, voilà, donc j'ai amélioré... le vilebrequin, il me semble... Et non, je l'ai pas amélioré. Alors, je sais plus ce que j'ai amélioré. J'ai mis un nitro dessus déjà. J'ai mis le réservoir de base là. Je sais plus ce qu'ils appellent ça là. Le réservoir 3 litres LB, je crois. J'avais mis celui-là. L'atmosphérique. Donc pour le turbo, justement. Et je pense qu'on s'en remettra un bientôt où on achètera directement une voiture. Je pense qu'on va vite la mettre à la benne cette voiture. Parce qu'elle commence sincèrement à me casser les noisettes, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc du coup les gars,
Ok, alors du coup, j'avais pas pris ça, je sais plus ce que j'ai pris. Bon, bref, j'ai fait quelques améliorations sur le véhicule. Ça m'a permis de, voilà, de gagner quelques courses après. Donc là, on est level 10. Bon, c'est pas beaucoup, je vous avoue, j'ai pas beaucoup joué offline. Mais alors, ce qu'on va faire, on va personnaliser l'avatar aussi, puisque bon, claquer de chaussettes, on va pas se mentir, c'est un peu claqué. je lui mettrais bien une petite casquette à mon personnage, moi. Je vais lui mettre cette coupe là, elle est mieux. Accessoires. Je mettrais bien des lunettes de vue, mais pas en mode. Après, il a pas des lunettes de vue, le mec. Parce que lunettes de soleil comme ça, bon, comme ça, ça lui va bien, toi, mais on voit pas ses yeux, quoi, c'est relou. Oh non, c'est relou, on voit pas ses yeux. Ah, je sais pas, on va voir après. Ça en vrai ça va, ça lui va bien je pense. On va voir ce qu'il y a d'autre mais... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi les gars, si vous voyez une tenue qui est bien comme ça la prochaine fois, on reviendra dessus. On peut mettre un t-shirt tenue plage quand même, ça fait un peu pitié, on va pas se mentir. On lui met ça ou quoi? La gueule du personnage les gars, c'est chaud. Bon ok, après c'est pour les meufs. Pour l'instant on va laisser comme ça, on reverra la prochaine fois. Si je voulais juste lui changer le bas en fait surtout. Mettre un jean ou j'en sais rien, ouais, un petit survêt Adidas ça peut être pas mal. Les chaussettes mon pote, c'est chaud, on peut pas les enlever les chaussettes? Oh, c'est trop les chaussettes. De fou mec. Ah, ils sont stylés en bleu comme ça, j'aime bien. Je vais payer mon gars. Je prends direct. Par contre, les chaussettes, mon pote. Aïe. C'est un peu hardcore. Hein. Pourquoi le pantalon Adidas il descend pas jusqu'en bas? Je comprends pas. C'est archi moche. Complètement débile d'avoir fait un truc comme ça. Oh non mais c'est laid mec, en plus ils sont moches les autres survêtes. Oh c'est archi laid. Ouais, je vais mettre le deuxième, je crois que le deuxième était pas si mal que ça. Ouais, je sais plus le deuxième c'était quoi. Oh non il est pas ouf. Non il y en avait un autre. Oh celui-là ça fait trop sérieux. Ouais, je vais mettre le deuxième vite fait, je vais voir ce que ça donne. Ok. Bon, ça fait pyjama. Non, c'est sérieux, ça fait pyjama. Ça. Ouais, mais ça va pas avec les chaussures, ça. Ah, je suis dégoûté que les. Ils descendent pas jusqu'en bas, les trucs. On va voir ça. Ouais, c'est pas trop mal, ça. On va essayer les chaussures blanches du coup avec ça. Bon, pour l'instant le personnage est pas ouf ouf ouf. Mais bon, pour l'instant c'est mieux que tout à l'heure, ok. Difficile course, on a quoi d'ailleurs à faire gagner deux épreuves en nuit, nanana. Ok, très bien, bref. Là tout simplement les gars, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va repartir direct en mode nuit. Puisque va falloir faire les missions de campagne. Ok. Juste pour info, mon pote Wayne, il est beaucoup plus branché technique que pilotage. Il t'attend au port. J'ai quoi à faire là? Mission de pilotage, nouveau cadenas. Parce que pourquoi il y a cadenas dessus là? Indisponible la nuit, d'accord, très bien. Mission de campagne, il y a bien forcément une mission de campagne à faire là quand même. Mission de campagne nouveau, indisponible la nuit. D'accord, ok. Donc là déjà, on va faire ça.
on va faire un petit voyage éclair. Hop, on va aller là-bas direct. Et on va aller direct le jour. Comme ça, au moins, ça sera réglé, les gars. Amusez-vous bien. Ouais, pas de soucis, ma petite biche. Alors, attendez. Hop, on va mettre en mode jour. Ça ira mieux demain matin. Ouais, ça ira mieux demain matin, ma petite Anna. Je t'aime, mon amour. Ok, jour, c'est parti. J'ai une carrosserie à terminer. Mais si tu as besoin de moi... Ok. Allez, c'est un petit peu longué par contre pour partir du garage, on va pas se mentir. Hop. Oh, t'es sérieux, il m'a remis là-bas. Oh putain, faut que je retourne là. Hop, voyage éclair, bim. Ça, c'est pratique par contre pour de pouvoir se téléporter parce que de refaire à chaque fois tout le trajet, c'est relou, on va pas se mentir. Ok. Mission de campagne. Recommandé 120, je suis 166. C'est parfait, on est go. Alors, ah oui, également, les gars, je vous l'ai pas dit. Mais j'ai également changé le timbre des pots d'échappement. Alors, qu'est-ce que j'appelle le timbre? C'est le bruit qu'on entend de temps en temps là, qui fait paf, paf, qui éclate au niveau des pots d'échappement. En fait, je l'ai accentué. Voilà, doucement, petit lapin, il y a des flics. Ok, c'est bon. Oui, donc je disais, voilà, je sais pas si vous entendez, mais le bruit est beaucoup plus net qu'avant. Et je l'ai accentué sur cette voiture là pour justement pour qu'on entende mieux. Moi je kiffe en fait tout ce qui est bruit des véhicules. Donc du coup je l'ai nettement accentué. Ok, c'est parti. Allez, deuxième mission de campagne les gars. Enfin deuxième, non c'est plus la deuxième, mais c'est la deuxième pour aujourd'hui, mission de campagne qu'on va faire. Ok. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après tout. Eh, hey, t'es l'ami de Lucas, non? Tu voulais qu'on se voie? On parle beaucoup de toi, il doit y avoir une bonne raison. Il paraît que t'es branché course. C'est pas vraiment nouveau. Mon truc à moi, c'est la maîtrise de la voiture, pas la vitesse. T'as qu'à monter à côté de moi. Tu verras ce que je veux dire. Oh oui, j'ai monté à côté de toi. Okay, donc là, pour info, c'est pas moi qui conduis, les gars. On va rentrer assez vite dans les virages. Pour partir en drift, tu mets un coup de gaz et tu braques. Ensuite, tu doses avec l'accélérateur. Pour info, c'est pas moi qui conduis. On recommence. Coup de gaz, braquage et dosage à l'accélérateur. Parce que là, j'essaye, vous voyez, j'essaye de prendre la possession, mais il veut pas, donc... Encore une fois, coup de gaz, c'est pas moi du tout qui a la possession du véhicule, là. La voiture est sympa quand même, j'aime bien la voiture. On va se parler. Maintenant je vais te laisser prendre ma place. D'accord, ok. Tout d'abord on va se faire un petit drift basique, n'oublie pas, coup de gaz et braque. Tu m'as pris pour un débutant ou quoi? Bien sûr je sais faire les drifts, prendre la vitesse, tourner à fond et enfoncer l'accélérateur. Tu driftes? Ah oui je drifte. Bon, elle avance pas sa voiture, c'est archi violent comme elle est pas puissante. Allez, coup de gaz et braque. Ouah, elle drifte trop! Par rapport à la mienne, c'est un truc de fou. C'est ça! Ok, c'est bien. Maintenant, essaie de prolonger ses drifts. Braque en entrée de virage et accélère pour déraper plus. Redresse et lève le pied pour déraper moins. C'est bon, mec, je m'en passe de tes commentaires. Je sais conduire, merci. Ça, c'est pas forcément une mission campagne très intéressante, les gars, mais ça fait partie du jeu, bien évidemment. Voilà, c'est beaucoup mieux. Encore. Encore, toujours plus, mec. Drift 2 sur 5. Ok, ça va être rapide. Essaie encore. Prolonge la glissade en dosant l'accélération. Ah ouais, faut prolonger en plus. C'est un peu plus relou, ça. Oh non, j'y étais. Tu maîtrises bien le transfert des masses. Ouais, là je voulais accentuer un peu plus mais...
Ok, là on va faire une grosse, un gros drift. Tout en contrôle, tu crois que tu peux le refaire? Bien. Encore? Maintenant, oh, il abuse, mec. Gagne 1000 points en 5 drifts. Et redresse le plus tard possible. Et si vraiment tu veux te la péter, plus tu frôles les barrières, mieux c'est. Ça, c'est de la maîtrise, comme j'aime. Ah ouais, comme t'aimes, frérot. Tu maîtrises. Réessaie. Oh là là, le drift de malade que j'ai fait, les gars. Ok, fin de l'exercice. Et si tu faisais un vrai tour de piste? Ok, c'est parti. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Coup de gaz pour commencer. Ouais, ensuite, t'inquiète pas, j'ai pas oublié ce que t'as dit, mon pote. Je prends conseil sur toi, t'es le meilleur. Fais voir ce que tu veux. Faire quoi? Objectif 40 000? Ah ouais, c'est entendu ça. Ça, c'est une belle trajectoire. Ok, je suis à 3 000. Ouh, ça va être tendu. Ça va être compliqué, je pense. Faire le plus de drift possible. Ah, ça va être trop tendu, les mecs. Faire un mort de drift, hein. Allez, vas-y, continue. Ah, il est pas assez long, lui. C'est impossible, c'est quoi leur truc, là? J'aime ton style. Ah non, c'est pas possible. T'as l'air de maîtriser le parcours. 28 000. Oh, aïe. Oh, quoi que, il me reste... Oh si, ça se fait en fait, il me reste 5000, oh oui. Quand je voyais les traits sur la course, je me suis dit... Excellent. Quand je voyais la distance sur la course, je me suis dit, oh, ça va être chaud. En fait, ça va le faire. Oh, oh, ce que je viens de faire, les gars. À devoir faire, ça a l'air facile. Bien sûr que c'est facile, mon pote. Regarde mes points, 50 000. 52 000, même. T'es fou, toi. 12 000 de plus. Qui c'est qui fait mieux que ça? Personne. J'ai jamais douté de tes qualités. Mais je m'attendais pas à ça. Ah là, ça. Tu pouvais. Fallait s'attendre, mon petit lapin. Ok. Allez, nickel, les gars. Ça fait. Donc, en plus, ça fait un nouvel article dans l'inventaire. C'est parfait. Des pneus en plus. Très bien. Donc là, on a débloqué des missions en plus. Ça, c'est cool. Par le garage, je te laisserai des pneus neufs. J'aimerais voir ce que tu fais avec du bon matos. Ouais, bon, on verra ça. Pas de problème, je t'appelle quand je suis dispo. J'aimerais bien faire direct la mission de campagne prochaine. Ça peut être cool. Donc là, j'ai débloqué des trucs en plus, ça c'est cool. Et là, on peut constater que nous avons des en face des rivaux. Alors là, on a un rival qui est Speed Ghost Bronze. C'est des vrais joueurs en fait, les gars. C'est ça qu'il faut le savoir, c'est que c'est des vrais joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, recommandé, vous voyez, 200. Et moi, je suis 166, donc je peux pas faire la course. Ça va être beaucoup trop dur pour moi. Ça, c'est pareil. Là, ça commence à être des courses un peu plus compliquées. Donc ça, plutôt cool du coup. Puisqu'on a commencé à débloquer des courses un peu plus compliquées. Donc là, donc tous les petits points violets, c'est les flics hein, sur la map, bien évidemment. Là, on a quoi là? Mission de pilotage, mission de campagne, on a plus? Merde, on a plus de mission de campagne. Bon, bah, je vais aller au garage déjà pour commencer. On va aller au garage, les gars, pour commencer. Puis on verra par la suite ce qui. Il nous arrangera. Donc là, hop, à le garage. Hey, comment va Wayne? Il t'a initié au secret du drift? Oh putain, j'ai débloqué plein de trucs, les gars! Wouah, ah ouais. J'ai 87 000 de cash, hein, quand même. Hein. J'ai amélioré mes roues. Ça fait quoi? Oh, c'est un peu pourri, quoi. Pas se mentir. En fait, j'ai pas envie de gaspiller mon argent, là. J'ai envie surtout d'améliorer ma prochaine voiture.
On va repasser de nuit ou jour, on va repasser de jour. Bizarre qu'il n'y ait plus de mission de campagne là par contre. Il y a un truc à faire forcément, parce que la campagne ne peut pas être finie à ce stade là. C'est impossible. Donc c'est bizarre qu'il ne repropose pas de mission. Hey, j'ai de bonnes nouvelles. Cette course contre les Stupid Boys a eu les retombées qu'on attendait. Si la Ligue t'intéresse toujours, ce sera bientôt une réalité. Ah, bien sûr. Mais après ce qui est arrivé... Écoute, oui, ce connard a pris ma caisse. Mais je vais pas me laisser faire. Je la récupère et je suis partante. Par contre, il y a ces types qui massacrent tous ceux qu'ils affrontent. Oh, un crew qui se fait appeler les Dream Killers. Il paraît que la Ligue les a remarqués. On a un téléphone aussi dans le jeu, les gars. C'est jeté, les gars. N'importe quoi. On peut consulter les messages des personnes. Ils ont vu tes performances et ils sont quelques-uns à vouloir courir avec nous. Ce sera pas une vraie victoire. Ok, d'accord. On va la laisser parler. Mission de campagne. Ok. Oh, attends. Recommander 200. Ok, très bien, les gars. Donc là, on va pas pouvoir la faire aujourd'hui, par contre. Sur combien de temps? 25 minutes de vidéo. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, attendez, il y a quoi là? Une campagne 200 aussi. Très bien. Bon, écoutez. C'est pas très... Alors, ce que je vous propose avant de se quitter, parce que du coup, je vais faire un peu de cash en offline, pour que la prochaine fois, on retrouve direct les missions de campagne. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille au concessionnaire. Pour que je vous montre un peu les véhicules qui peuvent être bien pour nous prochainement. Parce que, comme vous le savez, Force Speed est quand même basé sur les courses poursuites. Hein. Voilà. Comme si on l'avait jamais embarqué. Donc, évidemment, désolé, actuellement, cette fois, ce sera sans moi. Nous avons fait zéro course poursuite. Vous avez pu le constater. Alors, comme je vous ai dit, c'est normal. Je compte pas faire des courses poursuites avec cette voiture-là, puisqu'elle est pas assez puissante. Et moi, les courses poursuites. Retrouve-moi, on va s'éclater. Et moi, les gars, les courses poursuites qui font 5 minutes, c'est le genre de truc qui me plaît pas du tout. Parce que moi, je suis un mec qui aime bien faire durer les courses poursuites et aller jusqu'aux alertes 5, voire 6. Pour vraiment faire des grosses courses poursuites quoi. Moi je kiffe ça les courses poursuites et j'aime bien provoquer à mort la police pour vraiment aller au plus dur possible pour gagner le plus de cash possible derrière quoi. Enfin le plus de réputation du coup, parce qu'il y a de la réputation pour la police. Mais du coup voilà, c'est pas mon truc de faire ça avec des véhicules qui sont lents l'accélération et qui ont pas de puissance derrière. Et c'est pas intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu les voitures que je compte m'acheter prochainement. Donc là on a plutôt les voitures, on retrouve quand même les voitures qu'on a dans la vraie vie hein, quand même. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment très réaliste. Donc là on a les voitures assez banales, hein, Audi et tout. Donc là on va aller un peu plus loin, ça m'intéresse pas des masses. Donc là pour l'instant on n'a pas débloqué parce que j'ai pas assez de réputation. Mais ça c'est pas un problème puisque la réputation je vais faire ça un peu offline aussi. Donc là on a une petite BMW qui est pas trop dégueulasse. Mais bon voilà, moi je compte pas acheter une voiture quand même niveau 200, hein, on va pas se mentir. Alors on a cette petite Porsche qui me plaît beaucoup. Elle est extrêmement belle. Mais elle manque beaucoup de puissance, comme on peut le voir, et la puissance c'est vital dans ce jeu. Il me faut surtout de la puissance et de l'accélération. Vitesse maximale, ça peut s'améliorer, donc c'est pas un problème. Une petite BMW ici. Alors, voilà. Cette voiture-là, les gars. Cette BMW X6M... qui est une très grosse BMW, hein, on peut la regarder. Voilà, un gros 4x4 qui, je pense, fera l'affaire pour moi dans un gros contexte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais bien la prendre. Tout simplement parce que c'est une voiture déjà qui est tout terrain, donc qui peut aller sur terre, parce que dans le jeu il y a de la terre, évidemment, il y aura des courses sur terre. Et également, ce qui peut être vraiment bien pour cette voiture, c'est que je pense qu'elle peut être très résistante pour les courses poursuites, tout ce qui est barrage. Enfin, taper cogner dans les voitures de police, ça peut, je pense, être très long pour casser cette voiture. Donc voilà, je pense qu'elle est très résistante. Et en plus de ça, elle est magnifique. C'est une superbe BM. Et elle a une très grosse puissance et une très grosse accélération. Elle a pas une grosse vitesse maximale, mais ça, c'est pas important puisqu'on peut l'améliorer. Comme je vous l'ai dit, puisqu'on peut améliorer le moteur. Donc ça, c'est pas un problème. Mais elle a une très grosse puissance et ça c'est super important face au démarrage en fait. La puissance c'est au démarrage du véhicule. Et quand vous démarrez le véhicule face à la police, c'est extrêmement important que vous repartiez de bons pieds fermes en fait pour échapper à la police. Donc je pense que cette voiture là, je sais pas actuellement combien elle coûte,
puisqu'il faudra que je sois niveau 16 pour l'avoir. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci, je pense que je la prendrai. Alors peut-être pas comme première voiture évidemment, parce que c'est pas forcément mon but, mais je risque de la prendre prochainement, puisque c'est une sacrée voiture. On a, enfin remarque, comme première voiture, elle peut être pas mal aussi. C'est une grosse voiture, hein. Accélération et puissance, elle peut faire très très mal. Hein. Parce que derrière, vous voyez, celle-ci, elle est niveau 206, mais elle est moins bonne en accélération et en vitesse maximale. En vitesse maximale dans ses kits, mais en accélération et puissance, elle est moins bonne. Donc bon. Après, on a une petite Mercedes AMG qui est pas dégueulasse, mais bon, moi je la prendrai pas. Après, voilà, on arrive niveau 18, ça commence à être un peu plus compliqué pour passer les niveaux à ce stade-là. Après, on a une petite Jaguar sympathique. Voilà, on a cette petite Mercedes AMG que j'aime beaucoup. Probablement que je l'achèterai aussi également. C'est une grosse voiture, hein, faut pas se mentir. Mais c'est une BMW, bon, je suis pas fan du tout. Une petite Porsche. Lamborghini. Bon, après, voilà, on arrive dans des voitures un peu plus de luxe. Mais comme première voiture, je pense qu'on partira direct sur une BMW X6. Voilà, la BMW qui est sortie en 2016, qui est encore très très bonne. On partira directement sur celle-ci, je pense, comme première voiture. Puisque avant, il me semblait pas qu'il y ait des grosses voitures. On a celle-ci, mais bof. Après, on a la petite Porsche. Hein. La petite Porsche peut être pas mal aussi. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup sa tronche. Hein. Elle a des superbes jantes. Puis je pense que niveau vitesse, ça doit pas être mal, cette voiture. Elle est pas mal. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Elle est très très belle. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Tiens, justement, votez. Soit cette Porsche-là. Dites-moi ce que vous préférez. Après, voilà. Niveau esthétique, je prendrai la Porsche. Mais réfléchissez un peu. Niveau course-poursuite, niveau course, etc. Ce qui peut être le meilleur, justement, pour faire des performances. Voilà, on peut regarder puissance de cette Porsche. Elle manque beaucoup de puissance, je trouve. C'est ça qui est dommage. Derrière, elle a une vitesse maximale assez correcte. Accélération correcte. Mais voilà, il y a la puissance qui ne suit pas, ça c'est un petit peu décevant. Donc voilà, dites-moi si vous préférez la Porsche 718 Cayman ou la, tout simplement, la BMW X6M qui est très chaude en puissance, qui est pas dégueulasse non plus en vitesse maximale et qui a une très grosse accélération aussi également. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Moi personnellement, au niveau esthétique, sans hésiter, je pense que je prendrai la Porsche, mais sincèrement, la BMW... Elle est quand même très belle et niveau puissance, il n'y a pas photo, les gars. Elle bat largement les autres voitures actuellement en termes de qualité-prix aussi, elle doit pas être mal. Donc on verra. Bref, on n'est pas rendu là, les gars, mais en tout cas. Puis on peut voir au niveau du panneau aussi. Au niveau du panneau tout-terrain course drift route, que course et tout-terrain, elle est plutôt très très bonne. Contrairement à la Porsche qui, elle, est dans l'autre côté, qui est plutôt meilleure en tenue de route et course. Mais bon, moi ça m'intéresse plus de prendre la BMW. Personnellement, je préfère la BMW, donc dites-moi dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît. Voilà, sur ce, les mecs, on va se quitter sur cette petite fin de live. Voilà, je vous ai présenté la vidéo, 30 minutes de live, c'est pas... De vidéo, pardon, les gars. Donc ça m'a fait le plaisir d'avoir fait ce let's play numéro 2 avec vous. Et moi, de mon côté, je vais faire quelques encore courses, réputation offline, pour pouvoir derrière refaire une vidéo et vous faire directement les courses de campagne avec vous. Enfin, les missions de campagne, plus précisément. Et c'est tout. Voilà, les gars, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une journée, tout dépend à laquelle vous allez regarder la vidéo. Mais les gars, surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche et faites péter les pouces bleus, les gars. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous là, présents, tous les jours, comme d'habitude, fidèles au poste. Ça fait plaisir. Sur ce, les gars, ciao, bye, à la prochaine, les frérots.